Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Je suis en compagnie de Avif qui est venu avec son armée de Nécron. Et ça sent le rapport de bataille bien juteux, bien saignant. C'est parti. C'est parti pour la présentation de mon armée Great Knight pour ce rapport de bataille. Je vais utiliser le codex GK, impacté aussi par le chapter Approved 2019, puisque les coups en points ont été modifiés sur ce supplément-là, et aussi le supplément psychique Awakening, le rituel des damnés, qui nous rajoute des stratagèmes, des sorts, des litanies, et aussi la datasheet du chapelain. Donc voilà, plein de choses, et plein de choses dans cette armée. Alors, on a deux bataillons GK, avec à chaque fois trois troupes et deux personnages, donc, et après des petits suppléments, mais évidemment. Pour le premier bataillon, on va retrouver un Brother Captain que vous avez juste là, et ce grand guerrier est mon seigneur de guerre, et je lui mets en trait de seigneur. First to the fray, premier dans la mêlée, il fait rejeter les jets de charge pour ses camarades à 6 pouces. Donc ça c'est bien quand on veut aller faire la bagarre. Ensuite, il va être accompagné d'un Librarian qui lui va être équipé de l'éclat séraphique. Donc c'est lui qui prendra la relique pour mon armée. L'éclat séraphique c'est plus 1 à ses tests psychiques. Donc ça s'additionne déjà avec le plus 1 naturel du codex GK. Et relance du test psychique si toutefois je le souhaitais. Et bon, c'est quand même très très stable sur les phases de psy. Pour mon seigneur de guerre, je lui ai mis en sort la cuirasse de résilience, donc le moins 1 pour être blessé sur une unité. Et je lui ai rajouté le façonnage de warp qui va me permettre de faire la jonction, de changer mes marées ou mes tides selon que vous parliez français ou anglais, qui sait. Le Librarian, quant à lui, va avoir aussi le façonnage du warp. Je vais me l'assurer sur deux personnages, de façon à ce que si je m'en fais strike 1, j'ai toujours la capacité de rebasculer mes marées. Et son deuxième sort, ça va être domination de l'Empyrée, ce qui me permet de regagner un point de commandement tous les tours. Donc voilà, s'il survit pendant la partie, c'est cool. Ça me fait potentiellement 4 à 5 points de commandement supplémentaires. Et autant vous dire que cette armée, elle en consomme. Pour les troupes, là j'ai décidé de jouer les Terminators, c'est une unité que j'affectionne et que j'avais vraiment envie de jouer en rapport de bataille. Alors ils sont 8, ils sont tous en Stormbolter et en double Falcon, et je leur ai mis en sort le Sanctuaire qui peut éventuellement, si ça passe, avoir plus 1 à l'invulnérable. Ils ont déjà une invulnérable de 5+, donc si le sort passe, ils passent une invulnérable de 4+, qui est plutôt sympathique pour ce genre d'unité. Ils sont accompagnés de 2 Strike Squad. Alors les Strike Squad, il y en a 5 dans l'armée, elles sont toutes équipées pareil, c'est double Falcon pour 4 gars et Psylancer pour un cinquième. Donc voilà, elles sont toutes les mêmes. La seule chose qui va les différencier les unes des autres, ce sont les choix des sorts. À savoir que sur les 5, j'ai pris 2 Vortex, 2 Gate of Infinity et 1 Astral Aim. J'ai pas le nom des sorts en français, je m'en excuse, et je vais souvent pendant le rapport de bataille les dire en anglais, mais j'expliquerai à chaque fois à quoi ils correspondent de façon à pas troubler les moins anglophones d'entre vous. Ensuite, la puissance de cette armée, elle vient du pack de Paladin. Le pack de Paladin que j'avais déjà joué sur le rapport de bataille précédent, mais là, je l'ai amené d'une façon différente en termes d'équipement et surtout par l'apport de 4 psy-canons dans cette unité. Donc, c'est une unité qui tire fort. 4 psy-canons, 6 Stormbolter. Et après, il y a un petit mix entre les sceptres de force et les halbardes de force. Alors là, il y a un petit écart en termes de WYSIWYG, notamment sur les 4 paladins que vous avez là. Ils ne sont pas en épée falcon, ils sont bien en sceptre de force. Donc voilà, vous m'excuserez pour ce petit écart de WYSIWYG. Mon adversaire d'ores et déjà me l'excuse, donc j'espère que vous ferez de même. Voilà pour cette escouade-là, et en termes de sort, j'ai décidé de leur mettre le Astral Aim, donc c'est tir sans ligne de vue et ignore les couverts. Ensuite, on va retrouver toujours dans le même bataillon un pack de 10 Interceptors. Donc cette escouade-là aussi, j'avais vraiment envie de la jouer. Je l'avais pas joué sur le rapport de bataille précédent. C'est une unité qui est super intéressante de par sa mobilité et sa, on va dire, sa flexibilité tactique. Et donc cette escouade-là, c'est full épée Falcon et Stormbolter. Et en termes de sort, je leur ai mis le Hammer Hand. Le Hammer Hand leur permettra de blesser à plus 1 un adversaire au corps à corps. Donc vous avez compris, full double Falcon. Le sort, c'est Hammer End.
on commence à comprendre potentiellement leur utilité, on le verra. Et ensuite, la dernière, le dernier choix spécifique de ce bataillon, c'est le choix de soutien qui est la Purgation Squad avec pas plus ni moins que 4 psy-canons. Voilà, on a fait le tour. Et après, on a le deuxième bataillon où il y a 3 troupes, les 3 strikes. Et on va avoir les 2 personnages qui forment le bataillon, qui sont le grand maître Voldus. Particularité de Voldus, c'est que lui, il peut choisir 3 sorts et que je lui ai mis, et c'est le seul personnage à qui je mets des sorts de la discipline sanctique ou séraphique, j'ai plus le nom, mais de la discipline du codex de base. Donc lui, il a 3 sorts qui sont indispensables à cette armée, c'est-à-dire le portail d'infinité, le sanctuaire, donc pour le plus 1 l'invulnérable, et la visée astrale, donc le astral aim, le tir sans ligne de vue et ignore les couverts. Donc lui, c'est le seul personnage qui a les sorts du codex de base. Et il est accompagné d'un chaplain. Le chaplain, je lui ai mis en sort le Edit Imperator, ce qui va me permettre de tirer et bouger. Un simili Fire and Fade chez les Eldar. Voilà, ça c'est son sort, l'Edit Imperator. Et en litanie, je lui ai choisi Éloge de précision. Donc une unité à 6 pouces de lui ne subit aucun malus à ses jets de touche et à sa capacité de tir. Ce qui leur permet de, quand il y a des unités, mettre moins 1, moins 2 pour être touché, ou alors lorsque je bouge et tire avec des armes lourdes, je n'ai jamais de malus, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, vous l'aurez compris, on est sur une armée GK qui est portée pas mal sur le tir, certes courte portée, mais sur le tir quand même. C'est une armée qui va beaucoup jouer sur 1 les stratagèmes, parce que les stratagèmes ont un impact majeur sur cette armée, 2 sur la marée de fureur, donc qui va mettre plus 1 en force et en damage à toutes les armes psy. Donc à savoir que la combo avec le codex GK fait que je peux transformer les 10 Stormbolters d'une unité en arme psy, ce qui potentiellement peut me faire tirer avec des bolters à force 6 et à moins 1 damage 2. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc il y a des synergies à faire entre les deux bouquins. Et puis les nouveaux sorts aussi qui sont très bien. Et puis les unités qui ont de manière très générale baissé en coup en point. Donc on a une armée de tir et une armée, le psy aussi hein, est très dominant dans ce codex. Bien que j'en reste intimement convaincu, il ne faut pas faire l'erreur de jouer ce codex là, et d'autant plus cette armée là, en alpha strike et se dire qu'on va balancer 40 mortal wounds dans un tour et table raser notre adversaire. Donc c'est absolument pas ma façon de jouer cette armée là et c'est pas la façon dont je conseille de jouer le GK. Donc on va voir comment ça se passe. Surtout qu'en face, on a Avif avec son armée Nécron et on passe de suite à la présentation de son armée. Bon, du coup, les gars, aujourd'hui, je vais jouer une armée Nécron. Détachement qui va être complètement, composé de 3 détachements, 2 Spearhead et 1 Airwig. Le tout va être joué en Sotek. La dynastie Sotek, ça me permet de me déplacer et d'ignorer les malus pour tirer avec les armes lourdes, donc de tirer normalement avec une arme lourde après m'être déplacé. Ça me permet aussi d'advance et considérer toutes les armes comme des armes d'assaut, ce qui est quand même assez utile. Là, je vais avoir du coup les 3 croissants donc, qui ont ce stratagème qui permet pour un PC de faire 3 des 3 mortels dans une zone. On en reparlera un peu plus tout à l'heure en partie. Je vais avoir dans les Spearheads 3 Doomsday Arc qui vont être du coup des gros châssis avec 14 PV en du 6 sauvegarde à 4+, qui vont faire à 12 pouces 20 tirs de force 4 PA-1 et à 24 pouces, enfin jusqu'à 24 pouces, 10 tirs de force 4 PA-1. Ils ont un canon central qui permet de tirer avec 2 profils en fonction de si on s'est déplacé ou pas, qui peut faire de la force 10 PA-5 dommage D6 ou alors de la force 8 PA-3 dommage D3. Toute l'armée sauf les avions ont une capacité qui s'appelle le blindage quantique, qui fait que si jamais on me fait plusieurs dommages, si jamais je roule, je jette un dé et je fais un résultat inférieur à ces dommages, je les ignore complètement. Donc, par exemple, quelqu'un qui va me faire 5 dommages, je jette un dé sur 1, 2, 3, 4, je vais complètement ignorer les dommages. Les seuls qu'on passe à, c'est les avions et les deux persos. On a ensuite je vais parler des entrées Forge World qui sont les Tesseract Arc. Donc c'est une entrée qui est très intéressante parce que c'est une entrée qui va avoir une endu 7, une sauvegarde à 3+, et une invue. Quand on les charge, il faut jeter 3 dés, défausser le résultat le plus haut. C'est une entrée qui va exploser sur du 4+, à 6 pouces sur de la D3 mortelle. On a aussi une endurance du coup qui est supérieure aux autres. Ça va avoir 2 canons sur les côtés qui vont être des canons Ghost, donc ça tire comme 2 destroyers, ce qui fait 6 tirs de force 6 PA-3 dommage D3. Et un canon central en fait qui a 3 profils différents. On a ensuite les Annihilation Barge qui vont avoir 2 éclateurs Tesla. Donc ce qui va permettre de faire 8 tirs de force 7
pas de PA, les 6 contre trip, donc c'est une des particularités de, donc les 6 pour toucher contre trip, c'est une des particularités du Tesla chez Necron. Et ils vont avoir 3 canons, donc chacun 1 de force 6, PA moins 3, dommage des 3. Donc l'avantage c'est qu'on a une armée qui est constituée uniquement en châssis, donc avec, à part les deux persos qui sont malheureusement des taxes que je vais utiliser pour faire des détachements, qui vont être les deux lords, donc c'est les entrées les moins chères en termes de personnages chez les Necrons, tous les deux avec un bâton de lumière. L'un des deux va être mon Warlord et l'autre va avoir une relique qui va être le voile des ténèbres qui va me permettre de pouvoir le retirer de la carte et de le replacer où je veux pour aller par exemple chercher un objectif ou chercher un briseur de ligne en fin de partie ou me donner une certaine latéralité tactique. En format ITC, ils sont pas très intéressants à protéger puisque au final, faut voir en fonction des objectifs secondaires qu'aura choisi mon adversaire, mais ils sont plus des tampons, des taxes qu'autre chose. Voilà, donc on a une armée grosso modo qui est extrêmement mobile parce que j'ai un mouvement de 12 avec tout sauf les avions qui ont un mouvement minimum de 20. Qui ont un balage quantique, qui ont une enduit 6 et qui ont quand même des gros points de vie, qui récupèrent des points de vie tous les tours et qui saturent énormément avec le Tesla, avec le stratagème des avions et ensuite ont pas mal de tirs avec de la PA moins 3, moins 4, moins 5. Donc c'est une armée qui est très mobile, que j'ai utilisée, j'utilisais cette liste pratiquement exactement la même en Belgique pour un tournoi il y a quelques mois, et ça a plutôt bien fonctionné, donc c'est une liste que j'apprécie particulièrement, qui peut courir, qui peut aller loin, qui peut se projeter sur la table, qui tend bien, qui n'a pas de grosses faiblesses, dans le sens où ça ne repose pas sur une clé de voûte. Et non, c'est une liste qui est assez intéressante à jouer. À voir ce que ça va donner dans ce match-up, parce que c'est vrai que les GK, c'est quand même un match-up qui est compliqué pour le Necron, notamment avec tous les mortels qu'ils peuvent faire et la capacité qu'ils ont à se protéger, à réduire les dommages, à avoir des malus à la touche, à la blesse, etc. Donc on va voir, enfin je pense au Paladin surtout, on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Ça va être, je pense, un match, une partie très intéressante et ça fait vraiment plaisir de jouer en format ITC. Le scénario que nous allons jouer aujourd'hui est pris sur les conventions ITC, c'est le scénario numéro 3, Nexus Control. Outre les objectifs primaires et secondaires, les objectifs bonus de ce scénario sont les suivants. Deux objectifs ont été placés en dehors des zones de déploiement et deux objectifs ont été positionnés dans les zones de déploiement. À la fin de chaque tour, le joueur qui contrôle les deux objectifs qui sont en dehors des zones de déploiement marque un point. Les objectifs primaires sont les objectifs classiques du format ITC, à savoir tenir un objectif et tuer une unité, chacun rapporte un point par tour, et tenir plus d'objectifs que son adversaire et détruire plus d'unités que son adversaire rapporte aussi des points supplémentaires à la fin de chaque tour de jeu. Les secondaires, quant à eux, sont dévoilés une fois qu'on connaît le défenseur et l'attaquant et au moment de déployer nos premières unités. Il est l'heure de jeter notre premier dé de cette game, à savoir qui sera le défenseur et qui sera l'attaquant. Et on jette chacun un dé et c'est le gagnant qui choisit. J'ai le dé bleu, Avif a le dé rouge. C'est parti. De mon côté, c'est un 3. Et Avif, il sait jeter le dé avec précision et il nous fait un joli 5. C'est donc lui qui va choisir qui est attaquant, qui est défenseur. Et je vais donc choisir d'être attaquant. Attaquant, il est attaquant, je suis donc défenseur. Je vais donc jeter 2 dés pour déterminer le type de déploiement, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de double. Un 6 et un 5, on va donc se référer au livre des règles. Alors, en termes de choix, donc j'ai jeté le 5 et le 6, qui sont ces deux déploiements-là. J'ai décidé de choisir ce déploiement-là, et j'ai décidé de me déployer dans cette zone-ci. C'est donc Avif qui est l'attaquant et qui commencera à se déployer dans cette zone. Donc en termes d'objectifs secondaires, ce que j'ai pris c'est The Reaper, Old School et Recon. La manière dont je me suis déployé là, c'est que j'ai mis mes avions légèrement en biais de façon à pouvoir aller impacter que ce soit aussi bien ici que là. Ils sont donc étalés sur le fond de la table. On a mis les Doomsday Arc en hauteur de façon à pouvoir essayer d'obtenir le plus de lignes de vue possible. On va avoir des petits persos qui vont être estampillés pour soit garder des objectifs, empêcher d'avoir des FEP dans mon dos. Et ensuite, on a le reste de l'armée qui est en avant et qui va essayer de pouvoir advance et chercher des lignes de vue pour aller chercher ce premier sang. Donc en termes de points de commandement, j'ai 6 points de commandement et j'en utilise pas avant le début de la partie.
J'ai fini mon déploiement. Je vous cache pas que je suis un peu en difficulté sur ce match-up parce qu'il y a beaucoup de choses en face. Il y a de la mobilité, il y a de la saturation, il y a plein de choses qui peuvent me faire mal. Donc j'ai décidé d'être assez minimaliste sur mon déploiement, c'est-à-dire que j'ai déployé un peu plus de 1000 points d'armée et notamment mes gros packs, à savoir mon pack de paladin que j'ai mis dans la ruine qui est juste ici et mon pack de terminator que j'ai mis juste ici devant moi. J'ai positionné aussi deux personnages qui sont le librarian et le chaplain. J'ai bien fait en sorte de les positionner pour que s'ils utilisent son stratagème avec ses avions, ils ne puissent cibler que les paladins et un perso et pas les paladins et deux personnages. Et puis bah le déploiement me met un petit peu dedans parce que je suis obligé de me reculer pour bénéficier des couverts. Donc voilà, un minimum d'unités sur table pour l'instant. On va voir, c'est Aviv qui attaque, donc on va voir comment lui il déroule son premier tour. Et puis je commence cette partie avec 13 points de com. Je n'utilise pas de points de commandement en phase de pré-game. Et puis bah c'est parti pour la game. Au début du premier round de bataille, je vais donc lancer ma marée et je vais utiliser la marée de tir, donc la marée fureur, furieux, et je vais lancer ma litanie sur un 3+, donc mon chaplain va buffer les paladins et leur permettre de n'avoir aucun malus sur leur touche, donc ils tireront toujours à 3+, quoi qu'il arrive. Ça passe sur un petit 3+ des familles, Mazel Tov. Donc là, mon but, ce qui va être important pour moi de faire, ça va être de faire mon premier sang de manière à pouvoir marquer un point là-dessus et essayer d'aller chercher l'objectif bonus de manière à avoir kill one, all one, premier sang et bonus. Donc l'objectif bonus, il faut juste que je réussisse une advance à 1 là-dessus. Donc ça devrait pas être trop compliqué puisqu'on a un mouvement de 13 à faire pour rentrer dans le bâtiment. Ensuite, avoir un recon, ce sera quelque chose qui est aussi assez simple à faire, sachant que là, avec un mouvement de 12, je peux avec la projection, je peux me retrouver dans le quart de table adverse. Sachant que c'est une unité que je vais faire advance aussi. Donc en termes de phase de mouvement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes avions à plus de 29 pouces des paladins pour essayer de pas me les faire dégommer T1. Je vais utiliser ensuite un stratagème, donc les trois voient un point ici qui en fait va taper à l'intérieur du bâtiment pour essayer de tuer son escouade de 5. Donc du coup sur du 3+, je lui ferai 3 des 3 mortels et je ferai 3 des 3 mortels aussi sur du 3+, sur son escouade de... Purgation, truc. Les dévastateurs. C'est ça, les trucs qui sont là-dedans. Là. Et voilà, sinon je vais essayer de marquer un point de recon dès le premier tour puisqu'on a celui-là qui va prendre ce quart de table-là et tous les autres quarts qui sont visiblement occupés. Quoi. Donc début de ma phase de tir qui va se résumer à l'application du stratagème, du moins je l'espère, des trois avions. Donc je vais cibler un point qui est ici, qui est en ligne de vue des trois avions, à 24 pouces des trois avions. Et donc à 3 pouces de ce point, toute unité qui est dedans va se prendre 3 des 3 mortels. Les deux unités sont plus que 5 figurines, donc ce sera sur du 3+. Donc je perds un PC, que je vais essayer de récupérer sur du 5, que je ne récupère pas. Ensuite, ton escouade de 5 sur du 3+. Oui. En 3 des 3 mortels. Allons-y. Soit 3, 4, 5, 6. Ils sont morts. Voilà. C'est un premier sang. Je suis content. J'avais peur de foirer ça. Ensuite... Terminator sur du 3+. Je fais un 5. Oui, ça passe. Donc 3 des 3 mortels, soit 1, 2, 3, 6. 6 qui fait 3 Terminators qui meurent puisque les Terminators ont 2 PV. À la fin de mon premier tour, je vais donc marquer 5 points, soit 1 point pour Recon, 1 point pour le Old School avec le premier sang, 1 point pour le bonus, 1 point pour le Kill One et 1 point pour le All One. Ok, je vais attaquer mon tour 1. Je vous ai encore pas parlé des choix d'objectifs secondaires que j'ai fait. Il faut dire que j'ai choisi Recon, donc tenir une unité dans chaque quart de table. J'ai choisi aussi Mark for Death, donc j'ai marqué 4 unités qui sont un de ses avions, donc on a mis un petit token sur le socle pour pas se perdre pendant la partie. Et j'ai marqué les 3 véhicules Forge World que vous avez là. Et ensuite j'ai pris Big Game Hunter qui est le concept, c'est de marquer un point à chaque fois que je tue 10 PV de véhicules. Il faut savoir qu'il y a plutôt pas mal de véhicules sur la table. Donc voilà pour ça. En ce qui concerne mon T1, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir avec mes Terminator GK ici et je vais tenter de charger ce châssis-là et éventuellement... avec un petit alignement, tenter d'aller poser un petit pied-pied sur cet objectif-là
pour l'empêcher de marquer le Hold More, c'est-à-dire qu'il tienne plus d'objectifs que moi. Ça, on va voir. Et ensuite, l'autre action, ça va être de sortir les paladins qui sont ici pour se mettre en ligne de vue de tir et utiliser le Edit Imperator pour les faire tirer et les faire revenir dans le couvert par la suite de façon à s'économiser de prendre les feux adverses sur le prochain tour de notre ami Avif. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement, les amis. Ok, j'ai donc fini ma phase de mouvement et comme je l'avais dit, j'ai avancé mes Terminators pour aller chatouiller cet animal-là. J'ai avancé mes paladins un petit peu, t'as vu, pour aller chasser cet animal-là, celui qui tient l'objectif. Alors, ce que je vais faire, c'est que bah là, j'ai fini ma phase de mouvement et j'attaque donc ma phase de psy, phase très importante sur le codex GK, ne nous le cachons pas les amis. Alors, mon premier sort déjà, ça va être avec mon Librarian qui a plus 2 pour caster, donc c'est un sort qui passe, il est ici, c'est un sort qui passe sur du 7 normalement, il va passer sur du 5, je vais regagner un petit point de com des familles, ça passe, au calme, donc je suis à 13 PC, je passe à 14. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter Edit Imperator avec mon chaplain. C'est un sort qui passe normalement sur du 7. C'est le chaplain qui va jeter ça sur les paladins. Et du coup, ça va passer sur du 6 à la place. C'est raté, donc c'est important que je ne le rate pas. Je vais utiliser le point de com que j'ai regagné pour rejeter ce dé-là. Du coup, le sort passe. Et je redescends à 13 points de com et je vais tirer immédiatement avec mon unité et ensuite refaire une phase de mouvement, ce qui va me permettre de tirer, de retourner me cacher exactement là où j'étais. Donc, je vais tirer sur notre ami qui est juste ici et il va prendre tout dans sa mouille, c'est-à-dire les 4 psy-canons ainsi que les 6 Stormbolters, sachant que mes psy-canons sont des armes lourdes, mais j'ai passé ma litanie avec le chaplain, j'aurai donc pas de malus pour toucher et on attaque de suite, on commence par les tirs de psy-canons. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au moment où il me cible cette unité-là, je vais perdre un PC pour que mon bouclier quantique fonctionne sur non pas strictement inférieur, mais inférieur et égal. Je vais essayer de récupérer mon PC sur un 5+. Non, je suis à 4 PC. Je le touche sur du 3+, j'ai aucune relance d'aucune sorte. C'est de la force 8, donc je le blesserai sur du 3. C'est de la PA moins 1, donc je descendrai sa save à 5. Et c'est du damage 2, donc son bouclier quantique fonctionnera sur du 1 et du 2 grâce à son sublime stratagème finement utilisé. On est sur du 3+, les amis. J'enlève les échecs. Et il y en a un nombre plutôt conséquent. Donc il y a 8 fails sur 16D. Donc on est plus sur de la stat à 4+. Et là, on est sur du re-3+ pour blesser à présent. C'est un peu mieux. Et donc il y en a 6 qui passent. Ça lui fait 6 sauvegardes à 5 qui font 2 damage flat. Hop, je les ignore sur du 1 et du 2. Donc 8 PV, je meurs. Est-ce que j'explose? On s'en fout. Il est donc tout mouru, j'ai pas besoin de faire tirer les Stormbolters. Et je suis toujours dans ma phase de psy, donc je vais activer ma phase de mouvement de Edit Imperator et revenir me cacher derrière la barricade. Ok, je suis toujours sur ma phase de psy, donc avec l'Edit Imperator, mes paladins sont repartis à l'arrière de ce joli décor. Et j'ai bien fait attention de positionner un paladin à 6 pouces de mon chaplain pour balancer ma litanie sur le tour 2. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter le sort dont les Terminators sont équipés, sont en possession du sanctuaire. C'est donc plus 1 leur invulnérable, c'est sur du 6, ils ont plus 1 pour caster, ça passera sur du 5. C'est un échec, ça passe sur du 4, ben, la vie des fois c'est comme ça, c'est fait de réussite et parfois aussi d'échec. On passe sans transition à ma phase de tir puisque tous mes sorts sont lancés et je vais donc utiliser un point de commandement pour passer plus 1 à mes jets de touche sur les Terminators. Ils passeront donc à une CT de 2+ et je vais utiliser 2 points de commandement pour faire quoi les amis? Eh bien pour transformer mes bolts en méga bolts. Donc comme je suis en marée de tir, du coup les bolts deviennent des armes psy et on force, je passe avec des bolts qui ont force 6, PA moins 1, damage 2. Donc c'est des bolts qui commencent à rafaler. Mon objectif est de faire sauter ce châssis-là de façon à déjà lui soustraire un objectif parce que ça m'embête qu'il tienne trop d'objectifs, notre Avif. Et puis ça fait quand même plaisir de péter des châssis Nécron. Et donc c'est parti. Je balance donc 20 tirs, ça me coûte 3 PC. Donc on est en phase de tir, je vais utiliser exactement le même stratagème que tout à l'heure. Oh voilà, je vais essayer de récupérer un PC, j'aimerais bien le récupérer. Sur un 5. Et non, je suis à 3 PC. Et moi je tombe à 10 points de commandement pour toute la totalité de ce que je vais utiliser. Et je vais balancer 20 dés qui touchent à 2. C'est parti pour les touches à 2, j'ai donc 20 dés et qui touchent à 2. Je vois 3 as à vue d'œil. Et un quatrième ici, on est donc sur 16 touches, je le blesse à 4+. Allez mes petits thermiques, envoyez la soudure. Et j'en ai 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Il y en a 10 tours. Tac, tout ça, ça passe. Donc on est sur de la PA-1. On est sur de la save à 5. T'es pas le roi de la save à 5. Ouais, ça marche. Je les ignore sur un 1 et un 2. Oh. Il m'en faut 4 et il meurt. Alors, ça, ça passe pas, ça, ça passe pas, ça, ça passe pas. Il est mort. Il est muertos. Est-ce qu'il explose? Ah, ça, on veut savoir. Non. Non. Ce ne sont pas des bons jets, monsieur, je suis dégoûté. Comme dit dans le bouche à l'eau. Bref. Les Terminators ont donc, pour 3.com, réussi à taper le châssis. Alors, il faut savoir que c'est quand même ces petits châssis, c'est que 8 PV, donc c'est pas ces châssis les plus résistants. Mais d'abord, on attendrit un petit peu là où on peut. On va passer sans transition à ma phase de charge. Les Terminators qui sont sortis du bois vont tenter de charger ce gros châssis, dont j'ignore le nom complètement, c'est le châssis Forge World. Tesseract Arc. Et donc, cet ami-là, il va Overwatch, of course. Donc, tu as un D6, c'est ça? Alors déjà, j'ai 6 tirs. De force 6 PA-3 de match D3. Ok. Et ensuite, donc ils vont toucher sur D6. Et ouais. Ensuite, j'ai D6 touche auto. Donc j'ai une touche. Ça va blesser sur du 2. Non, parce que force 6, c'est sur du 3. 3. Voilà. Et le D6 lance-flamme. D6 lance-flamme. Ouais. D6 touche auto. 5. Blesse toujours l'infanterie sur du 2+. Tu vas avoir 5 sauvegardes à PA-2, dommage 1. 5 sauvegardes, on a dit, donc j'ai de la PA-2, j'ai une save à 2 de Terminator, c'est le trad sur du 4+. Oui, c'est bien tanké, ma foi. J'ai fait quand même 4-6, hein, il faut quand même le noter. Et donc, je perds 1 PV sur un thermi. Je vais donc faire ma charge. La particularité du châssis de Thomas sur cette unité Forge World, c'est qu'il m'oblige à jeter 3 dés pour la charge et à défausser le meilleur de mes 3 dés. C'est une charge à 7. C'est parti. Charge à 7, attention. Tu défausses celui-là. Je vais défausser celui-ci. Je vais donc utiliser une relance. Je vais utiliser un point de com qui me fait descendre à 9 points de com pour tenter de réussir ma charge. Il me faut un 4+, une chance sur deux de réussir. C'est parti mon coco. Aïe, 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 la charge est ratée. Ça sonne peut-être sans doute le glas pour ces pauvres Terminators qui sont au milieu de la pampa. Donc ma charge est ratée, malheureusement. J'en suis bien attristé. Et je finis mon tour sur cette lamentable charge. Néanmoins, je marque quand même quelques points puisque je lui ai tué une unité au minimum, donc je mets un point. Je tiens un objectif au minimum, je mets donc un point, donc sur les objectifs primaires. Sur mes objectifs secondaires, il a quand même deux châssis à 8 PV qui sont morts, ce qui fait que je mets un point de Big Game Hunter. Je mets pas de recon, je détruis pas d'unités qui sont marquées. En revanche, à la fin du tour, on tient un objectif chacun, donc aucun de nous deux met le hold mort. Par contre, je mets un point de plus pour le kill mort, puisque j'ai tué deux unités et lui une. Ce qui veut dire que je mets au total 3 points sur les objectifs primaires et 1 point sur mon objectif secondaire, ce qui fait que je mets 4 points à la fin de ce tour. Début du round 2, ma litanie sur les paladins, sur du 3+, ça passe. On calme. Du coup, là, début de mon tour 2, donc je suis en train de finir ma phase de mouvement, donc je suis en train de faire les dernières vérifications pour vérifier qu'il ne puisse pas m'impacter dans le dos, donc il va pouvoir normalement FP soit ici, soit dans le coin qui est là, soit dans le coin qui est là, ou alors il va devoir craquer les stratagèmes pour FP à 3 pouces, et dans ce cas-là, il ne pourra pas me charger. En termes de phase de mouvement, ce que j'ai fait, donc du coup, c'est que je me suis approprié les objectifs. D'ailleurs, celui-là, je pense que je vais en fait le mettre ici pour pouvoir choper l'objectif avec le bout de la coque. Et je vais lui laisser du coup une zone ici, je pense, et encore. Tu mets pas grand chose. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, je pense qu'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir tirer donc avec les deux Doomsdayer qui ont une vision ici et tout le reste de l'armée qui a une vision pour pouvoir vider ces villes gredins de Thermi. Sachant que comme les Doomsdayer ont bougé, elles ne seront pas force 10 PA-5 dommage D6, mais bien force 8 PA-3 dommage D3. Donc là, ce que je vais se passer, c'est que je vais du coup reperdre un PC pour faire mon stratagème avec les avions, qui s'appelle le ciblage de données amalgamé. Je vais viser un point qui est à peu près ici, donc en ligne de vue des trois avions, et à 24 pouces des trois. Et ensuite, ça va me permettre de choper et son personnage, que je vais pouvoir essayer de buter sur du 5+, et ses paladins, que je vais pouvoir essayer de buter sur du 3+. Allez. Est-ce que je perds un PC? Est-ce que je le récupère? J'aimerais bien. Suspense est à son apogée. Non, je suis à 2 PC. Ouais. Les paladins sur du 3+.
C'est un 6. Ils prennent 3 des 3 dans leur mouillasse. C'est, d'après la légende, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, ils prennent 7 PV. Alors, 7 PV, ça fait 2 paladins et 1 PV. C'est ça. Et le monsieur sur du 5, allez, hop, ce sera la surprise. Et non, c'est un 1. Je perds quand même 2 paladins, et les paladins ça coûte cher. Je vais pas enlever mes petits canons parce que je pense qu'ils peuvent faire encore le taf, donc je vais enlever 2 Stormbolt et je vais mettre un PV sur un autre palouf des familles. Donc du coup ce qui va se passer c'est que là je vais faire tirer l'intégralité de mon armée sauf les avions dans les Terminators. Et on se retrouve une fois que... Une fois qu'ils sont morts. Retombée. On se retrouve une fois qu'ils sont morts. On sait jamais, je veux dire, bon, au niveau GD... J'y crois pas beaucoup sur leur survie, mais bon. Voilà, du coup la poussière retombe et comme prévu, ils sont morts lamentablement. Ça a été, ils sont morts avec seulement 2 châssis, hein. Il y a lui et lui, donc globalement j'ai pas eu à manger les tirs des Ghost Ark, les piou-piou à droite à gauche, ils sont lamentablement morts, on le savait. De toute façon, la surprise n'est pas... Moi, j'étais surpris. T'étais surpris ? On sait jamais. Ouais, enfin, je comprends. C'est des GK quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pareil. Et on passe à eux maintenant, les gros costauds. Donc là, en petite minute stratégie, ce qui va se passer, c'est que j'ai 3 avions qui vont le tirer. Les 3 vont avoir la ligne de vue à l'intérieur, etc. Mais j'ai commencé par celui qui est le plus loin pour éviter qu'il me... Outrange. Je triche. Qu'il me mène dans le vent. Outrange. Outrange. C'est ça qu'il voulait dire, c'était outrange. C'est... Outrange. Hein ? C'est hors... portée. Donc là c'est du Tesla, j'ai 8 tirs de force 7 qui vont toucher sur du 3+, les 6 pour toucher vont faire 3 touches. 3 touches, mazette. Donc j'ai 2 6, il me faut donc 2 jets, 2 dés supplémentaires. Voilà pour vous monsieur. Parce qu'il y a ces deux là qui passaient pas. Donc okay. Ensuite force 7 c'est sur du 3. Oh. Hop. Pas de PA, tu as tout ça de sauvegarde à... Bah c'est de la save à 2 de Terminator, hein, de toute façon c'est de l'armure des thermis. Et je vais... non, il n'est pas encore mort, s'il avait déjà perdu un PV, donc je perds un autre PV sur un paladin. Ça marche. Donc là, je vais faire tirer les 2 derniers avions sur du 3+, les 6 qu'on triple. Donc ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Et j'ai un seul 6, je suis très triste. Moi, j'en suis plutôt satisfait. Donc du coup, je rajoute 2 dés. Et je pense que tu as même pas tué un paladin. Je pense que... On est sur du 3+. Et pour moi, c'est du thermi, du gros costaud. On est sur du 2+. J'ai un thermi qui meurt et je repère un PV. Bah, c'est pas un thermi d'ailleurs, c'est un paladin. Donc ce paladin est mort et je repère un PV sur un paladin. Il m'aura tué au total sur son tour 3 paladins. 2 grâce au stratagème et 1 grâce à ses petits tirs annexes. Ça fait plaisir. Donc à la fin de mon tour 2, je vais faire... Tenir un objectif, tuer une unité adverse, je vais faire Recon à 2 points. Parce qu'il a 2 unités dans chaque quart de table. C'est exact. Donc le je vais mec avoir map contrôle. Cette quart de table là, je vais avoir ces 2 unités. Ouais. Dans ce quart de table là, je vais avoir ces 2 unités. Dans ce quart de table là, je vais avoir ces beaucoup 2 trop unités. Et dans ce quart de table là, je vais avoir ces 2 unités. Particularité sur cet objectif là, il peut les marquer, c'est plutôt rare mais c'est le cas sur le format ITC, il peut marquer les objectifs de map contrôle avec ses flyers. Ce qui est plutôt rare, mais là c'est le cas, donc on est dans les clous, c'est légit. Et puis tu tiens les 2 objectifs centraux. Ce qui fait le bonus. Ce qui fait le petit point bonus qui fait plaisir. Donc ça fait 2 points de Recon, 1 point de The Reaper. Oui. 2 points parce que tu as un machin contre ouais. 1. Et ce qui fait... Et un 6ème point avec les centraux. Bonus. Donc 6 points. 6 points sur ce tour-là pour un vif. C'est ça. Donc là, ce que je vais faire, mon objectif, c'est de m'occuper de ces 3-là. Pas que d'un seul, mais bien des 3. Donc, vu il a pris des positionnements risqués pour poser son stratagème. Donc normalement, je devrais assez aisément réussir à plataner ces 2-là, c'est-à-dire à l'empêcher de se poser à la fin de sa phase de mouvement du tour 3, ce qui va les autodétruire immédiatement. Donc normalement, ça devrait le faire. Et lui, je vais m'en occuper au tir. Donc pour ce faire, en gros, j'ai mes paladins qui sont là, qui sont sous la litanie de mon chaplain. Donc ça fait plaisir. Je vais faire arriver un pack d'intercepteurs pour rameuter des tirs supplémentaires. Je vais bloquer la zone pour éviter qu'il se pose avec 2 packs de strike. Et après, je vais sans doute faire arriver du monde ici pour qu'il ne puisse pour commencer à entrevoir de remonter la map parce que là, il contrôle bien la map. Mais je vais le repousser petit à petit. Donc, objectif déjà détruire ça et après, on va remonter la map petit à petit.
Ok, donc j'ai fini ma phase de mouvement du tour 2. J'ai tout mis sur table. Alors, pas tout mis de façon agressive, mais j'ai tout mis sur table pour occuper, parce que là, il va commencer à projeter potentiellement des châssis et du coup me repousser et je vais pas avancer. Donc là, voilà. Ce que j'ai fait, par contre, j'ai fait arriver du monde. J'ai fait arriver une escouade de 5 ici, une escouade de 5 ici et une escouade de 10 interceptors ici. Là, clairement, ça platane ces deux avions-là parce que ça lui laisse aucun emplacement pour se poser et effectuer son mouvement minimum qui est de 20 pouces. Donc si son avion peut pas bouger d'un minimum de 20 pouces, il explose, il sort de la map. Donc voilà. Après, il faut bien prendre en compte que ça veut dire que c'est des points que je marquerai en termes de KP et en termes de points de destruction sur des châssis, c'est des points que je marquerai qu'au tour 3. Donc il va falloir quand même que je fasse quelque chose sur ce tour-là plutôt que d'attendre qu'il se platane. Donc j'ai fait arriver Voldus qui va filer la reroll des 1 pour toucher, et mon but va aussi d'être de passer mon Astral Aim et de salader sur cet avion là déjà parce qu'il est marqué, c'est une unité qui est marquée, donc celle-là je veux la péter, et parce qu'il m'embête et il faut que je pète des trucs. Donc voilà, une fois qu'ils seront plus là, je serai content d'être heureux. Ensuite, j'ai fait arriver le reste de mes unités, c'est-à-dire il y a 3 strikes et mon Brother Captain qui sont arrivés là. L'idée, c'est de potentiellement remonter petit à petit la map. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mes 3 Psylancer à portée de ce châssis-là. Je vais lui balancer donc les 3 smites plus les tirs de Psylancer. Donc on va essayer de l'asphalter. Et après, on va attendre pour rentrer dedans au troisième tour. Allez, phase psy. Donc là, c'est une grosse phase pour moi parce qu'il y a tout le monde sur table, donc il y a beaucoup de sorts à lancer. Je rappelle que je suis toujours sur la taille de tir et je vais rester en taille de tir en vérité jusqu'à ce que je la change, hein, globalement. Donc ce que je vais faire déjà, c'est qu'avec mon Libre Ariane, je vais jeter mon sort qui va me permettre de regagner des points de com. Donc ça passe sur du 7, il a plus 2 pour caster, donc lui ça passe sur du 5. Je passe donc à 10 points de commandement. Ça, c'est fait. Ensuite, avec mon chaplain, Chapeau, je vais tout simplement faire un Edit Imperator sur mon pack de paladin, et je vais immédiatement déclencher mon tir sur ce châssis-là. Pourquoi je fais ça maintenant? Parce que si je le détruis avec leur phase de tir, déjà je vais être plus serein sur le déroulé suivant et potentiellement changer ma taille à la fin de cette phase de psy. Donc déjà, je vais passer l'Edit Imperator, ça passe sur du 7 et donc du coup ça passe sur du 6. Ça passe tout rond sur du 6 et je vais donc déclencher mon tir. J'ai 4 psy canons et 3 Stormbolters qui vont tirer sur cet avion-là. Je rappelle que j'ai passé la litanie qui fait que j'ai pas de malus à la touche, donc je toucherai sur du 3+. Et j'ai positionné Voldus qui va me filer la reroll des As. Donc je vais envoyer des pruneaux sur du 3+, reroll des As. Ok, c'est parti. Je le touche à 3+, relance des As. On veut pas de 2. Je vois 3-2, donc ça c'est des échecs bruts. Ça, c'est de la relance à 3+. Je refais 2 As sur la relance des As. Et ça touche. Maintenant, la blesse à 3+, j'ai pas de relance d'aucune sorte. Du coup, ça c'est un échec, ça c'est un échec, ça c'est un échec, et ça c'est un échec. Ça te fait ça de sauvegarde à PA moins 1. Donc à 4+. J'entends que 2, et ce qui fait que j'en prends 4. Ça fait 8 PV. D'accord. T'as pas le blindage quantique du coup? Non. Même sur les As là? Ça passe pas sur un As? Non, okay. J'ai pas le planage quand même. Donc il prend 8 PV et après il me reste 3 gars avec des Stormbolters, ce qui nous fait 4 et 4 et 4. Toujours sur du 3+, reroll des As. Ça c'est de l'échec net. Et là par contre c'est du Stormbolter, c'est sur du 5. Il n'y a pas de PA et c'est mono damage. Sur du 3, je te perds encore 1 PV, il m'en reste 3 PV du coup. Ok. 3 PV perdus sur l'Edit Imperator, et là je vais pouvoir activer une phase de mouvement supplémentaire sur mes paladins. Alors, ça a été un peu long parce qu'il a fallu réfléchir et pas faire trop de bêtises, et ça n'a pas été super glorieux néanmoins. Donc ma fin de phase de psy s'est déroulée comme suit. Je me suis tué un mec sur un double 1 au péril en tentant de lancer un smite. Ensuite, j'ai lancé un smite, j'ai enlevé 1 PV. Ensuite, j'ai passé l'Astral Aim sur les jaunes pour tirer sans ligne de vue. Il a balancé sa cuirasse de résilience. Donc il y a le pack de 5, les jaunes qui seront à moins 1 pour être blessés. Et après, pour finir, il a changé la taille, donc je suis en taille de défensive. Et après, de ce côté-là, globalement, j'ai envoyé ici
J'ai envoyé un smite qui a enlevé un PV là. Et après, j'ai raté mon sanctuaire avec Voldus. Donc mes paladins n'ont pas le plus 1 à l'invulnérable. Et puis après, bah voilà, on a fait globalement le tour de cette phase de psy. Et on va passer immédiatement à la phase de tir. J'attaque donc ma phase de tir du tour 2. Je vais faire tirer les unités qui sont là. Donc là, il y a les trois expurgateurs qui sont dans trois strikes différentes, mais je vais les faire tirer en même temps parce que voilà. Donc les trois là vont tirer sur lui et en même temps j'ai passé l'Astral Aim sur les jaunes, ce qui va me rajouter 8 tirs de bolter supplémentaires. Donc les trois, déjà je fais les trois tirs de Psy Lancer. Je vais le toucher normalement sur du 3, mais c'est du 4 parce que c'est de l'arme lourde et j'ai bougé. Donc on est sur du 4 sans reroll d'aucune sorte. Ok, on est plus ou moins stats. Et après, c'est sur du 5, puisque j'ai de la force 4 et il a de l'an du 7. C'est un beau 5 plus. Ça en fait 3, 4, ça en fait 5. Et il n'y a pas de PA. 3 plus. C'est un mauvais 3 plus. C'est un mauvais 3 plus. Et donc, je lui fais 3d3. Il a perdu. Rien de merde. Il a perdu un PV. Il lui en reste 9. Ouais, c'est ça. Sur 3d3. Bah, sachant que j'ai le bouclier quand même. Ah ouais, c'est vrai. Je m'emballe. Vas-y. Ouais. Vas-y. Alors, ça fait 2, 2 et 3. Alors, donc, celui-là, c'est sur du 3. Donc, sur du 2 plus, tu l'ignores. Non, sur du 1 et du 2, tu l'ignores. Je le prends. Non. Je prends 3 PV. Et après, c'est ça, sur c'est du 1. Sur du 1. Donc, j'ai pris un total de 7 PV, c'est ça? Oui. Donc, c'est 3, 2 et 2, ça fait 4. Donc, il me reste 2 PV. 2 PV. Et je vais balancer les tirs de bolter. Est-ce que ça va faire le café? Nul ne le sait, il y a 8 tirs de bolt. Là, je touche sur du 3. C'est des jeux. Et je blesse sur du 5. Ah, il y en a 2. Ah, 2. Faut qu'il me rate 2 invus, 2 save à 3. J'y crois pas, mais. Je tank. Aïe, aïe, aïe. J'ai quand même enlevé 8 PV sur le gars en question. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, ça fait plaisir. Ok, et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tirer sur l'avion qui est ici, à qui il reste 3 PV. Donc déjà, je vais faire tirer mon Libre Ariane avec son Stormbolter. Donc lui, il a 4 tirs. Il a une CT de 2+. Il est dans l'aura de Voldus, il reroll les As et il met moins 1 pour être touché. Ce qui veut dire que je vais toucher cet avion sur du 3+, reroll des As. Il y a tout qui passe et par contre je le blesse sur du 5, je suis qu'un pauvre bolt. Putain, je suis chaud du 5+. On est sur de la save à 3. Je perds 1 PV, il me reste 2 PV. Ok. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais activer mes interceptors en phase de tir. Eux, il y en a un, le seul qui a porté, il va balancer ses 2 tirs de Stormbolt dans cet avion là. Et le reste va balancer ses tirs dans l'autre avion. Et tout le reste de l'armée va balancer ses tirs dans l'autre avion. On va voir si j'arrive à enlever 2 PV d'avion avec un bolter. On n'y croit pas, mais bon, ça peut faire rêver. On est sur du 4+, reroll des As. L'As qu'on relance qui nous fait un 4. Et maintenant on est sur du 5+, parce que ça fait plaisir. PA 0, donc 3+, c'est ça? 3+. Dommage 1, c'est ça? Dommage 1. Il me reste 1 PV. Ah, le seum international. Je perds un PC pour rire. Ok, je laisse cet avion à 1 PV. Ça, tant pis, c'est la vie. Et maintenant, tout le reste de mes tirs vont partir dans un autre avion pour au moins faire un KP et pas lui laisser. Et déjà mettre un point pour moi et pas lui laisser le kill mort. Donc, on se retrouve une fois que tout le monde a rafalé, quoi. Ok, fin de ma phase de tir qui n'est clairement pas glorieuse. J'ai laissé ce châssis à 1 PV, ce qui fait que je ne tue pas une unité. Mais c'est parce qu'en fait, je me suis tellement focalisé sur le placement de l'autocrash de ces deux-là que je me suis focalisé sur ces deux-là. Du coup, je l'ai dans le 1, hein, vous m'avez compris. Donc, je le laisse à 1 PV et lui, c'est pareil, je le laisse à 2 PV, je crois. C'est ça. Et lui, je le laisse à 2 PV pour le coup. Donc, ma phase de tir fait pas grand-chose. Sur la fin de mon tour, je tue pas d'unité. Ça, c'est pas cool. Je tiens un objectif, je mets un point et je mets un point supplémentaire au Big Game Hunter puisque je tue au total pour l'instant 28 PV de châssis. Ce qui fait que, en fait, sur ce tour-là, je mets 2 points. Ce qui est très peu parce que Abif avait déjà un ami 6 et là il va en remettre 2 supplémentaires puisqu'il a le hold mort et le kill mort. Ce qui veut dire que lui va mettre 8 points à la fin de son tour 2 alors que moi je n'en ai mis que 2. Il prend une grosse avance à la fin de ce deuxième tour. C'est parti pour le tour 3. C'est le début du round 3 les amis, je jette ma litanie sur un 3+, ça passe sur les interceptors. C'est bon, donc les interceptors ignoreront les malus à la touche. Ça, c'est comme ça.
Voilà. Au début de mon tour 3, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un point de vie sur tous mes véhicules. J'ai deux avions là qui vont se plataner. Juste ici. Ensuite, je vais perdre un PC pour considérer ce véhicule comme étant full life en termes de ses paliers. Je vais essayer de le récupérer. J'aimerais bien récupérer un PC cette partie. Et non. Donc, il me reste un PC. Ah. C'est le PC qui reste. Je vais mettre celui-là ici. Ça va tirer entièrement dans un. Lui va tirer entièrement dans le deuxième. Lui va tirer entièrement dans le troisième. Et enfin, ça va essayer de nettoyer ce qui reste. Voilà. Le lavage, l'essorage. C'est ça, c'est ça. Donc là, en termes de mouvement, j'ai fait se déplacer les deux barges qui étaient là. La barge qui est ici, je l'ai mis de manière à ce que la projection tienne l'objectif, tandis que de manière à me mettre à portée de tir rapide de cette escouade qui est ici. La barge qui est ici, bon, donc tu peux aussi pouvoir tirer sur à la fois cette escouade-là et celle qui est à l'intérieur. J'ai placé la Tesseract Arc ici de manière à pouvoir voir à travers de la fenêtre. Et tirer sur les interceptors. D'interceptor. J'ai déplacé ceci de manière à pouvoir voir et là-bas et ici. Avec 36 pouces de portée pour essayer de les choper. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a de notable. Et là actuellement, on peut dire que on ça est, fait plaisir. On est bien. Phase de tir. Je vais commencer donc du coup avec ça. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la Tesseract Arc. Qui va tirer sur les intercepteurs qui sont là. Donc le profil en fait que je vais prendre, je vais pas prendre celui qui a PA moins 4 parce que je vais prendre celui qui a PA moins 3 parce qu'il va te blesser sur du 2 plus, alors que celui qui a PA moins 4 va te blesser sur du 3. 3. Ouais. Donc je vais prendre ce profil là, donc je vais avoir 6 tirs qui vont te faire 3 plus force 6 PA moins 3 D3 dommages et l'autre c'est D6 tirs force 8 PA moins 3 D6 dommages. Mais. Le DC, voilà. Moi, je t'en fous. C'est ça. Je vois ta moue que tu n'as que du dédain pour les nécrons qui t'ont sombré. Je vais commencer du coup par le DC tir. Allez. Un magnifique 4. J'en suis content. J'en suis fortaise. Donc ça fait 2 touches qui te blessent sur du 2. Ce qui te fait 2 blessures à PA moins 3. Moins 3, j'ai de la save à 5 de couvert. Je perds un homme. C'est ça. Je vais te faire ensuite 6 tirs. Oui, monsieur. Qui te touche à 3. À 3 plus. Qui te touche, j'allais dire toutes, mais non. Qui te blesse à 3 plus. Ce qui te fait donc 3 blesses, donc 3 sauvegardes à 5, mister. 3 sauvegardes à 5. Et ça fait 3 morts. C'est exact. Ça fait 3 morts. Ça marche. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tirer cet avion-là ici. Donc, je vais faire tirer, donc il est en profil le plus dégressif. Donc, je vais faire tirer avec mes Tesla qui vont te toucher sur les 5 et les 6 contre triple. Voilà. Ça va faire 8 tirs et ensuite, je ferai des 3 tirs qui te toucheront sur du 5. PA moins 4, dommage D6. Allez, 5 et 6. Un vrai joueur orc, je fais que rien. Ensuite, j'ai des 3 tirs. Ce qui fait 1 tir qui te touche sur du 5. Voilà, je fais des jets de dés assez... Assez frustrant. C'est... Bon, ça va, mais bon. Non, c'était pas sur lui qu'on comptait le plus pour en faire du dégât. Lui, je balance un tir là-dedans et des 6 gros tirs là-dedans, au passage. On est sur du 3 plus. On est sur du 3 plus. C'est un jet qui n'est pas ouf. Et on est sur du 4 plus. C'est un jet qui n'est vraiment pas ouf. Mais vraiment, vraiment pas ouf. Mais putain, pardon. T'as 4 sauvegardes. Et j'ai de la sauvegarde à 2 plus, parce que je suis dans un couvert partout. C'est PA moins 1 quand même. Et c'est PA moins 1, donc du coup, ça paye de la sauvegarde à 3 plus. Et j'ai donc 2 morts dans cette escouade, monsieur dame. Et je vais enlever mon petit lancer. C'est ça. Et un gazier. Je te fais ensuite des 6 tirs. Oui. Un petit as. 3. Qui te touche tous, qui te blesse sur du 2. Et qui tu as du coup PA moins 3, donc sauvegarde à 6. Sur du sauvegarde à 5 du coup. Sauvegarde à 5. Et j'ai 2 morts. Il t'en reste donc 1. Et je vais garder celui qui a le marqueur de socle, c'est plus stylé. Ok. Ok, ensuite ce qui va se passer, c'est que lui, il va donc mettre 3 tirs sur les mecs qui sont à l'intérieur. Et ensuite il va mettre ses 8 tirs là-dedans. Ok. Donc les mecs à l'intérieur, par contre, tu auras moins 1 pour les hits. Oui, c'est exact. Yes. Il va survivre.
Ça, c'est les 8 tirs sur sa gueule. 1, 6, qui compte triple. Ouais. Du coup, celui-là, il dégage. Oui, monsieur. Voilà. Tu as donc ça de sauvegarde. Sur les 3 plus, perd moins 1 ou pas? Non, 2 plus. Donc ça, il va 2. Ah, il va survivre, il va survivre. Ah, il y a un as. Ah, il y a 2 as. Oui, il est mort. Il est tout mort, tout plein. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette Doomsday Arc-là va tirer non pas dans le pack qui a moins 1 pour être blessé, non pas dans le pack dans lequel il en reste 4, mais dans l'autre. Le pack du milieu, donc. Le pack salade tomate-oignon. Donc t'as moins 1 pour les toucher parce que c'est la Tide qui va bien. Donc tu les touches sur du 4 et tu les blesses sur du 4 puisque t'as force 4. C'est tout à fait ça. Est-ce que tu as une PA sur ces armes-là? PA moins 1. Donc j'ai une sauvegarde de couvert à 2+, donc moins 1, c'est sur du 3+. On est sur 2 morts. Je te fais ensuite les D6 tirs. Oui, bah, tant qu'à faire. Qui font 5 tirs. 5 ça, c'est tirs. Bien, ça, c'est bien ça. On touche sur du quoi là? 4. Ok, c'est ok. Je te blesse sur du 2. Ouais. Et je te fais de la PA moins 3. Moins 3, on est sur du 5. Donc t'as 3 Troisième mort sur la squad. Il en reste 2 là-dedans, c'est ça? Il en reste 2 et je vais enlever le petit lancer en haut. C'est exact. Et je vais enlever du coup 2 mecs lambda dans les squads. Ensuite, je vais activer cette unité-là, qui va mettre ses 6 tirs dans l'escouade dans laquelle il en reste 4, et des 6 touches auto dans l'escouade dans laquelle... Que tu blesseras quoi qu'il arrive à 2+. Le blesser quoi qu'il arrive à 2+. C'est ça. Des 6 tirs. Je vais faire des 6 tirs d'abord, si tu me D'accord, je vous l'autorise. Je te touche sur du 4. À moins 1, ouais. Je te blesse sur du 3. Je te fais 2 sauvegardes à PA moins 3. Et donc c'est de la sauvegarde à 5. Je voulais pas prendre ces vieux dés. Ah oui, mais je t'ai donné tous mes bons dés aussi. Donc c'est de la sauvegarde à 5. Un mort. Et je vais enlever Archibald qui est ici. Ça marche. Ensuite, je vais... Le D6. Le D6 auto. Allez, le petit as. Un 5. Ah, ça picote. 5 touches auto qui blesse à 2. C'est ça. Uf. Qui te blesse tous. PA moins 2, dommage 1. Donc, j'ai la save à 4. C'est ça. Allez, ils vont survivre les cocos. Ah, il y a 3 morts dans les squads jaunes. Donc je vais enlever lui. Et les deux qui sont ici. Poc poc. Donc du coup, je vais activer ma Tesseract Arc ici, qui va mettre tous ses tirs dans l'unité dans laquelle il reste 4 bons hommes. Et oui, parce que dans l'autre, il reste 2 et dans l'autre, il reste 1. Voilà. C'est ça. C'est parti. Je vais commencer par les 6 tirs. Sur du 4. C'est ça. Je fais des bons jets maintenant. C'est propre. Sur du 3. Et ben, j'aurais pas dû dire que je faisais des bons jets, tiens. Et on est sur PA-3. Ouais, c'est ça. Donc on est sur du 5+. Allez les cocos, il faut se survivre là. Un mort. Un mort. Un mort, on est à mort. Le D6. Ah yes. Deux touches. Sur du 2. Sur du 2. Et sur du 5 pour moi. Et sur du 4. Ça fait 2 morts. Donc ils sont encore 2. Il a un plan. J'ai un plan. Il a un plan qui est pas mal. Qui est pas mal, qui peut être stylé en plus. Qui est pas mal. C'est-à-dire que je vais charger son perso. Pour essayer de pas mourir à l'Overwatch. Ensuite, je vais venir cliquer tous ces personnages, enfin tous les trucs qui sont à l'intérieur, ou autant que possible. Je vais rien faire en le tapant. Lui va me taper, j'explose sur du 4+. J'ai un PC pour relancer si jamais je rate. Et je fais des 3 mortels à 6 pouces quand j'explose. Dis, voilà. On est parti. Tu m'overwatches. Alors, tu charges du coup que mon boss, ouais. Que mon patron. J'ai donc 4 tirs qui touchent sur du 6. Voilà, c'est raté. Allez, merci, on passe à la suite. Donc c'est une charge sur lui, c'est une charge à combien? Ouais, donc on a une charge à 5. On a plus de 5 moins de 6. Bon, donc, c'est bon. Ah, finalement, on peut mesurer le sac. Je vais mettre comme ça. Je vais faire mon paline dans la foulée si tu m'autorises. Voilà. Je vous l'autorise. Pour me mettre là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais taper. T'es prêt? Sur du 6. Le PV de la honte. Allez! Sur du 3, j'imagine. Je sais pas ta force. Moi non plus, mais ça passe pas. Voilà. Voilà. C'est à toi de taper. Alors, là, du coup, tu m'as contacté. Qui tu m'as contacté là? Il y a 5 attaques de Strike Squad de base. Okay. Je touche à 3+. Putain. Et je blesse à 5+. Vas-y. Tu blesses. Je sauvegarde à 3. T'as une sauvegarde à. Oui, il n'y a pas de PA. Je tape avec mes pieds. Ok. Le tank. Et après, mon Brother Captain, on est sur du touche à 2+. Je tape avec mes mains, of course. Et on est sur de la blesse à 5. Bon, ben voilà, le problème est réglé. Il me fera pas son infâme stratagème de péter dans mes rangs. Je vais me barrer et je le smiterai au prochain tour. Ça marche, ça me paraît, ça paraît judicieux.
On arrive sur la fin de son tour 3 et il me tue pas mal de strikes, mais c'est assez disparate. Néanmoins, j'ai perdu 4 interceptors sur mon escouade, ce qui veut dire que sur du 6, je rate mon test de commandement. On est bon. Et je reprends mon dé. Et après, de ce côté-là, il y a une autre escouade qui a perdu 4 gars, ce qui veut dire que aussi sur du 6, je repère le dernier camarade. Mais ils ne connaîtront pas la peur. Je peux donc le relancer gaiement et ça tient. Voilà. Ça marche. Du coup, à la fin de ce tour 3 des Nécrons, je vais marquer 5 points de victoire. Je vais marquer 1 point pour tuer une unité adverse, 1 point pour contrôler un objectif. Je vais marquer 1 point de bonus. Je vais marquer aussi 1 point pour Recon, que je marque à 2 points, mais je suis capé à 4. Et je vais marquer je passe un palier dans The Reaper, et donc du coup, je suis à 49, donc ce qui fait que j'ai passé 2 paliers de 20. Tour 3 pour les GK, il est temps de se sortir les phalanges du sphincter. Donc ici, on va se désengager et on sera content. On va partir de cette zone et puis on va se reculer de la zone d'explosion de ce châssis-là. Ensuite, de ce côté-là, on va commencer à avancer. Je vais passer sur ma Tide de Smite et je vais commencer à avoiner du Smitas. Là, mon objectif, il faut que je réduise absolument sa capacité de destruction. Donc lui va mourir, ça c'est une certitude. Lui va mourir et ça serait bien si je tuais un peu plus de trucs. Donc là, il faut y aller. Là, il ne faut plus hésiter. Ok, j'ai donc fini ma phase de mouvement. J'ai sorti mes paladins, j'ai sorti tout ce petit monde, j'ai désengagé ici. J'ai fait TP ma Strike. Qui est là-bas. Son but à elle, ça va être de se débarrasser de ce seigneur de guerre et se dégager de cet objectif-là. Et puis tenter une charge éventuelle sur lui pour venir capturer l'objectif central. Et puis là, on va avoiner. Alors, pour commencer à avoiner déjà, je vais jeter avec mon Libby. Ça passe sur du 5, donc avec lui, ça passera sur du 3. Le changement de taille pour passer en taille de Smite. Ça passe. Je vais commencer par envoyer un premier smite avec mon Brother Captain qui va là-dedans. Premier smite ici, ça passe. Donc il prend 2 PV. Deuxième smite ici. Je vais utiliser un point de com pour relancer ce dé là. Là, ça passe. Du coup, il reprend 4 PV. Donc il est mort. Voilà. Il explose sur du 4+. Il explose sur du 4+. 5. 5. Donc il y a. Ça va se prendre des 3 mortels. Ouais. Tout va se prendre des 3 mortels et ça va se prendre des 3 mortels. Du coup, je commence avec quoi? Le jaune là? Ouais. Allez. 3 mortels. L'escouade est morte. Ok. Tac. Et ils étaient 2 dans les jaunes. Le orange. L'orange. C'est cassé. Il y a combien d'oranges? Il est rouge, il n'est plus qu'un, donc ils étaient 2 les oranges. D'accord. Donc lui il est mort. Et le dernier là, c'est quoi? Il est tout seul. Mais il est mort. Bah il est mort. Je suis très triste. Et lui du coup il était tué à 6. Hein. Ouais, lui il était à plus de 6. Bon, enfin, allez. Donc là, concrètement, dans l'euphorie de la vidéo, j'ai fait n'importe quoi parce qu'il aurait fallu que j'envoie des sorts avant. Je suis un gros débile en fait. Globalement, c'est ça qu'on conclura de cette phase de psy. Je vais continuer à dérouler ma phase de psy, bien que je me fasse beaucoup de peine. Je vais envoyer la gate avec mon survivant sur le Brother Captain. Ça passe et du coup, je vais TP mon Brother Captain là-bas dans un coin du décor pour prendre un Recon. Un Recon. Ok. Les interceptors qui sont là-bas vont. Passer un smite sur le gazier en question. Donc voilà, c'est bien évidemment le plus proche de lui qui va canaliser pour mettre 2 mortals à ce carapuce. C'est mort. Ensuite, ici, on va tabler l'avion à qui il reste 2 PV de mémoire. Voilà, on va y aller avec cette escouade là. C'est good, ça passe aussi. Hein, voilà. Il est mort l'avion? Et donc l'avion, il est tout mouru. Il explose. Est-ce qu'il explose? Non, dommage. Pas loin. Le dé a été super lourd sur la table. T'as pas entendu bon baron. Ça sentait l'explosion en plein nez quoi. nos amis, les paladins vont être buffés par Voldus qui va leur passer le sanctuaire, donc le plus 1 à l'invue. Ça passe aussi, puisque ça passe à 6 et 5 et 1, 6. Le Librarian, il va regagner un point de commandement. Ça passe aussi. Donc eux vont envoyer un smite dans le châssis. Tu as plus de reroll. J'ai plus de reroll. Je prends des 3 PV dans mes paladins. Bah, y en a un qui perd un paladin. J'aime quand ça se passe comme ça.
deux périls sur la même phase, c'est un peu désobligeant quand même. Moi je joue pas de psy pour ça. Hein. Edith Imperator avec le chaplain qui va jeter ça sur nos amis les paladins. Ça rate, ça passe sur du 7, donc ça rate, j'ai plus de relance. Donc du coup, bah, ils tireront. L'idée de l'Edith Imperator là était de gagner un petit peu en mouvement pour anticiper sur le tour 4. Mais ça sera pas pour de suite, a priori. Donc j'ai fini ma phase de psy et j'ai passé à ma phase de tir, les amis. Dans un premier temps, je vais faire tirer notre ami qui est ici. Bon, le reste de son escouade ne va pas, mais ils ne pourront pas tirer. Mais lui, il a 24 pouces de ce châssis-là. Je vais pouvoir lui tirer dessus. L'idée, c'est potentiellement de le toucher, mais ce n'est pas l'idée. Mais j'ai une reroll parce que j'ai Voldus. Ça rate, mais bon, peu importe. Donc, je l'ai ciblé, ce qui va me permettre d'utiliser deux points de commandement pour cette unité-là de façon à reroll léger de blessure. Et en plus de ça, je vais utiliser deux points de commandement pour faire passer les psy-canons à force 8, PA-2. Donc voilà. Donc du coup, ça me fait utiliser 4 points de com, mais il faut que je saigne ce châssis-là. C'est l'objectif de cette mission. Je vais toucher sur du 4+, reroll des as, puisque je suis dans l'aura du vol du Sator. Et on y va. J'étais à 9 points de com, je tombe donc à 5. C'est parti, j'ai mes 16 dés de psychanon sur du 4+, reroll des as. Il y a un as, et ça c'est de l'échec, ça c'est de l'échec, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ok, l'as sur du 4+, ok, on est bon. Et maintenant, on est sur du 3 relançable. Ok. C'est full. Full. Ça, c'est PA-1. Et c'est PA-2. Dommage. Dommage 1. Je prends 1 PV, 2 PV, 3 PV, 4 PV. Yes. Il me reste 6 PV. Et après, il me reste les 8 tirs de Stormbolt. Qui vont toucher à 3 reroll des as. Ok. Et qui vont blesser sur du 5 relançable. Et ben ça fait 2 sauvegardes sans PA. Je tank. Yes. Les interceptors, donc il y en a 5 qui vont tirer dans son seigneur de guerre. Tir rapide, donc ça fait 5 x 4, ça fait 20 tirs. Je le touche à 3. Et je le blesse sur du 5. Et c'est très moche, effectivement. 3 sauvegardes, sans PA, de rien du tout. Et je perds 2 points de vie, il lui reste 2, il meurt. Ok, et puis il y avait le dernier asticot qui est là, qui lui balance ses 4 tirs dans le. Donc lui qui était qui pouvait pas cibler le personnage, il va tirer dans ce châssis-là. Et sur du 5. Et voilà, ça ne fait rien. J'ai donc fini ma phase de tir et maintenant je vais charger. Alors eux, ils vont charger sur lui. Je me suis positionné à 9 pouces. Donc il va pouvoir prendre un overwatch avant de savoir s'il réussit sa charge. Donc là c'est 8 tirs de Tesla. Il ne se passe rien. C'est de... Ah, si, il y a un 6 qui compte triple. Ouais. Qui te blesse sur du 3. Tu as une sauvegarde. Et ensuite, tu as 3 tirs qui te blessent sur du 6. Enfin, qui te touchent sur du 6. Donc, tu as une sauvegarde. APA. PA 0. Donc, PA 0. Save à 3 plus pour mon Marines. C'est savé. Et maintenant, on est sur une belle charge à 9. Voilà, le désespoir. Ok, ça ne sert à rien de relancer hein, ou quoi que ce soit. Bon, mais je suis. Deuxième charge ratée les amis, hein, que voulez-vous? C'est génial, fin du tour 3, donc ce qui fait plus ou moins la moitié de la partie en vérité. C'est ça. Alors sur le tour 3 j'ai été un peu plus efficace que mon tour 2, mais en même temps c'était pas difficile. Vu le tour 2 foireux que j'ai réalisé. Néanmoins on a quand même vu que j'ai fait des belles erreurs, notamment sur le séquençage de psy. Mais là c'est un petit peu, c'est la fatigue un petit peu, ça prend du temps. Mais bon c'est pas grave. Donc sur le scoring de la fin de ce tour 3, j'ai tué une unité et j'ai tenu un objectif. Donc je mets 2 points. Je vais tuer plus d'unités que Thomas, donc je vais mettre un troisième point. Et lui, il va tenir plus d'objectifs que moi, ce qui fait que lui, ça lui rajoute un point sur son tour 3. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de recon, puisque j'ai une unité dans chaque quart de table. Je vais aussi mettre 2 points de Marks for Death, puisque je vais tuer l'avion qui était marqué, ainsi qu'un Tesseract Arc. Et en plus de ça, je vais mettre 2 autres points sur le Big Game Hunter. Ce qui fait que sur ce tour-ci, je mets 8 points et on passe maintenant au tour 4 de la partie qui passe un peu ce tournant. Et du coup, le Big Game Hunter, tu l'as marqué ces points avec les avions qui sont pas platanés, oui. Et pas avec les trucs puisqu'on peut pas combiner. Ouais, les deux, exactement. Ouais. On peut pas combiner le Marks for Death et le Big Game Hunter. Donc c'est les avions platanés qui me donnent le Big Game Hunter et les deux autres qui me donnent le Marks for Death.
Donc on est au début du tour 4 des Nécrons. Ce qui va se passer, premièrement, je vais récupérer un point de vie sur mes véhicules. Hop, qui passe à 7 points de vie ici, qui passe à 7 points de vie, parfait, ici. Ensuite, je vais prendre, dans ma phase de mouvement, je vais essayer de chercher et te tuer ton chef avec ce vaisseau-là. Ce vaisseau-là, il va tuer ça. Ce vaisseau-là va venir ici pour prendre l'objectif et va essayer de tuer ça. Et ensuite, je vais mettre tout le reste des tirs, soit dans tes paladins, soit dans la strike quad qui est là-haut. Je vais voir comment je vais répartir ça. En termes de mouvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reculé la barge qui est là. La Tesseract Arc n'a pas bougé. La barge qui était ici est venue là, de manière à se mettre à 12 pouces pour envoyer tous ces tirs là-dedans et prendre l'objectif. La barge qui est là, les deux véhicules qui sont là, se reculer pour se mettre à plus de 17 pouces de l'unité paladin pour éviter d'être chargé. Et ensuite, le dernier châssis qui est venu ici, qui est en fait légèrement un peu plus à gauche, mais qu'on a mis là pour éviter qu'il se casse la gueule. Et qui va tirer dans la Strike Squad qui est derrière. Enfin, c'est la Strike Squad, ouais, c'est ça. C'est ça. Allez. Le jargon est exact. Est exact. Le phrasé est correct. Le premier, je vais commencer ma phase de tir en tirant dans Jean. Jean, le survivant. On a fait notre premier tir ici avec une un décès terrible. Ce qui va ensuite se passer, c'est que là, on va avoir 20 tirs de force 4 PA-1 qui vont partir dans ton papa, plus des 6 tirs de force 8 PA-3 dans ma D3. J'ai moins 1 pour te blesser. Donc, oui. Du coup, je vais te faire 20 tirs sur 3+, 5+, et oui. Ensuite des 6 tirs sur 3+, 3+. Oui. Je vais commencer par les des 6 tirs. Allez, allons-y gaiement. J'ai fait 4 tirs sur du 3. Sur du 3. PA-3. J'ai une save à 1+. Donc tu es à 4+. Je suis à 4+. Ce qui équivaut à mon invulnérable. Ouais, je vais utiliser un point de commandement et je vais rejeter une sauvegarde quand même parce que ça fait plaisir. C'est raté. Triple décès, je pense. J'ai fait 7 PV. T'as combien de PV? J'en ai pas assez. Donc, donc il est mort. Et il prend mon seigneur de guerre. Je marquerai donc un point en plus. De old school. De old school, parce que je suis un mec. À l'ancienne. Donc en termes de séquençage, je vais faire tirer cette barge-là en premier parce qu'elle est tout juste à 12 pouces. Pour éviter qu'en retrait des pertes, je perds d'idées. Parce que ça change tout, je peux avancer le game. Je peux pas perdre d'idées. C'est. Voilà. 3 plus 4 plus. 3 plus 4 plus, c'est exact. Et c'est un beau jet de. De daube. Je suis allé sur du 4 plus. C'est ça. Et tu es de la PA-1 si je ne m'abuse. C'est ça. PA-1. Donc tu as. Tout ça de sauvegarde. Hop, il y a un 3. À 4 plus. À 4 plus, la save à 4 plus. Écoute, je perds deux animaux farceurs et je vais enlever les deux les plus loin là-bas. Ok. Je vais te faire ensuite des 6 tirs. Oui. Ça fait 5. Ah, ça va piquer. Ouais. Ça te touche sur du 3. Ça te blesse sur du 2. Allez, triplace. C'est PA-3. C'est va 6. Oh, c'est beau, ça. 2. Et je vais t'enlever les deux zigotos là-bas aussi. Et on va refaire la même chose. Avec l'autre barge, c'est ça? Quoique non, en fait, l'autre barge, elle va mettre ses 20 tirs là-dedans et elle va mettre ses D6 gros tirs là-dedans. Ah, je vais utiliser deux points de commandement pour avoir la physiologie transhumaine et donc il ne peut me blesser que sur du 4+, sur mes paladins. J'ai utilisé un point de com pour ma relance de mon avu, ce qui m'amène à 4 points de com et là maintenant je descends à 2 points de com. Donc je vais faire 20 tirs là-dedans. Oui. Sur du 3. Sur du 3 et sur du 4. C'est exact. Tout à l'heure, deux sont morts. On va voir si cette barge fait le café ou pas. Sur du 4. Il y en a eu 5 tout à l'heure aussi. J'en ai réussi 3. Et là, j'en ai réussi 4. C'est bien. J'ai donc un mort. Et je vais enlever lui. Je vais ensuite faire les D6 là-dedans. Oui. Ce qui fait 5. Ça envoie des pruneaux quand même à l'arche. Hein. C'est coquinou. Sur du 3+. Ouf. C'est beau, je fais des. Sur du 4. C'est bien. Oh là là. C'est PA moins 3, dommage des 3. Bah, j'ai passé mon sanctuaire, donc j'ai une avue à 4 sur les palouf. Tu prends 3 des 3. Que je vais faire une par un. Allez, 3 as, on n'en parle plus. Voilà. Le deuxième as. Et à mort. Un mort. Et pas un troisième mort. Ça va. J'ai donc un mort et un PV. C'est exact. Ensuite, le monsieur qui est là,
Oui. Il va mettre 8 tirs dedans et 3 tirs là-bas. Oui. Les 8 tirs, c'est du Tesla. Ça fait des choses comme le Tesla, c'est bien ça. Et ben c'est, voilà, c'est très ça, ça, c'est ça, très fait, ça fait un full fifou. C'est sûr du 3. Parce que c'est force 7. Celui-là il était pas. Non, il était pas. Est-ce que tu as de la paire? Non, sauvegarde 3 plus. On y croit. Ah, c'est dommage. Il est mort deux fois. Ah, la tristesse. Ensuite là-bas, je te touche sur du 3. Je te fais une touche, je te blesse sur du 4. Je te fais une blesse, PA moins 3, dommage des 3. Excusez-moi. A vu à 4. C'est beau. C'est beau. Le dernier pitou qui a pas tiré, ça va être le pitou qui est là-haut, qui va mettre tous ses tirs du coup. Ah bah non, il va pas mettre ses tirs là-dedans, il va mettre ses tirs, on avait dit tous ses tirs. Dans la strike. Donc il va mettre 6 tirs plus des 6 tirs. On va commencer par les 6 tirs, qui touchent sur du 3. C'est très beau. Ça compense le début de partie. Qui blesse sur du 3. Tu vas avoir donc du coup 5 sauvegardes à PA-3. Ils sont dans le couvert, la loustique, ce qui nous fait une save à 5. Ça fait 4 morts. C'est, vu qu'ils sont plus que 3. Ok. Ramasse. Est-ce que je serais pas en train de me faire purger ma grand-mère là? Bref. Fin de ma phase de tir. Oui. Phase de morale. Non. Non, j'ai perdu un gala et tout ce que t'as touché, tu l'as tué de manière tout à fait générique. C'est ça. Donc du coup, à la fin de ce tour 4 des Nécrons, je vais marquer le bonus. Tenir un objectif, tuer une unité. Je vais marquer aussi un palier supplémentaire à The Reaper et je vais marquer du coup un point en plus sur Old School avec le tuer le seigneur de guerre. Alors, dans cette purge que nous vivons, il nous faut nous ressaisir et tenter de malmener au maximum notre adversaire. Donc l'idée, elle est simple, c'est qu'on va tenter de fumer ce fumier, là, qui est juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Elite Imperator sur eux, donc ils vont pas bouger pour pouvoir tirer un maximum là-dessus, et après revenir se cacher, et après je vais faire une gate pour amener Voldus là, tenter une charge à 9, et tenter de lui mettre des coups de marteau à celui-là, comme il n'en a encore jamais reçu de sa vie. Et puis voilà, je serais content d'être heureux d'avoir fait ces quelques petites actions, mais qui feront briller mon estime personnelle. Et ça, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc en termes de phase de mouvement, en vérité, je vais juste avancer un petit peu mon chaplain, et c'est bien tout. Voilà. Ok, c'est parti pour la phase de psy. Déjà, je vais changer ma tide, et je vais passer en tide de tir. Ça passe sur du 3. Ok, ça passe, c'était grâce à mon Libby qui casse à plus de... Ensuite, je vais regagner un point de commandement, ça passe sur du 5. C'est un magnifique... C'est mon quatrième péril de la partie. Double as sur mon Libby, c'est formidable. Donc je prends... Ben, je prends 3 PV sur mon Librarian, mais allons-y, soyons fous. Donc je ne regarde pas de point de commandement, je suis toujours à 2, ça m'embête, mais la vie c'est comme ça, parfois c'est injuste. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Edit Imperator sur mon escouade de Paladin, et je vais utiliser mes deux derniers points de commandement pour booster tout ça et être sûr de tambouriner ce châssis ici. Donc Edit Imperator déjà, est-ce qu'il passe ? Oui, il passe, donc je vais pouvoir immédiatement tirer et ensuite bouger et utiliser mes deux derniers points de commandement et mettre des gros coups de psy-canon lourdement sur son châssis. Allez, tir de psy-canon, je suis dans l'aura de Voldus. Alors du coup, je perds un PC quand même. Oui, alors. Je perds mon dernier PC pour ignorer les dommages sur inférieur ou égal. Ok, donc c'est parti, on est sur du 3 et je relance les gros as bien dégueulasses. Ceux-là sont des as, allez on y va là. As, reroll as, j'aime ça, c'est bon, mais le G est plutôt propre. Et ensuite on va blesser sur du 3+. Ça c'est pas bon, le G est plutôt pas mal. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est sur 10 sauvegardes à PA-2. Tu blesses sur du 3+, parce que c'est force, tu l'as fait passer à force 9. Là je suis à force 9 avec les psychiens. On est au max. Donc, PA combien ? PA-2. Donc, je suis à 5. Ça tank. Et ça, c'est du dommage 2, c'est ça ? Oui. Allez, le petit jet de merde qu'il faut. Voilà.
Ça j'ignore, ça j'ignore. Je prends 4 PV. Je suis à 3 PV. J'ai un Stormbolter qui va tirer quand même. Ah oh, vas-y, vas-y, tiens. Sur du 3. J'allais dire reroll des as, mais c'est pas bon. Et on est sur du 5. Voilà. Une sauvegarde. Voilà. C'est triste, mais encore une fois, parfois la vie c'est tellement injuste. Par contre, je vais bouger quand même. Et je vais me barrer d'ici. Et ils ont bougé là. Et dans l'immédiat, l'instant T, je vais d'abord passer le sanctuaire avec Voldus sur eux. Donc pour passer leur invue à 4. Ça passe, on est content d'être heureux. Voldus va passer sa gate sur lui-même. Ça passe, tout rond, tout pile. Et il va se barrer et venir se positionner ici à plus de 9 pouces de son châssis, hors ligne de vue pour pas se prendre de tir de contre-charge et tenter une jolie charge à 9. On en est là, on en est là. Et de toute façon, je passe à ma phase de tir. Mes paladins ont déjà tiré. Il me reste 2 tirs de Stormbolt ici. Qui touche sur du 2+, reroll des as, et après on va le blesser sur du 5 parce qu'on est un Stormbolter de base et on a une petite sauvegarde à 3+. Petit PV de la honte, c'est un 6. Et je vais passer immédiatement à ma phase de charge, charge à 9, ma troisième charge de la partie. Les deux précédentes ont été ratées, normalement celle-ci, bah rate aussi. Donc fin de mon tour 4 qui me fait sombrer dans le désespoir avec ce gazier qui survit à 3 PV, mais bon, c'est la vie. Du coup, je mets qu'un point pour tenir un objectif, voilà tout ce qu'il me reste à faire. Je mets qu'un point, ce qui me fait passer de 14 à 15 points. Avif, quant à lui, met 2 points puisqu'il va tuer plus d'unités et tenir plus d'objectifs. Donc, il passe de 24 à 26 à la fin de ce tour 4. Il a clairement pris un avantage considérable. Il passe à 26 points. Ça lui fait plus de 11 points d'écart. Là, concrètement, j'ai plus aucune ressource pour remonter la partie. Ce qui veut dire qu'en soi, là, clairement, c'est une victoire côté Necron, victoire majeure. Parce que j'ai vraiment plus les capacités de remonter en points. On va clôturer la partie là-dessus parce que jouer le tour 5 et le tour 6 n'aurait aucun intérêt. La victoire Necron est clairement notable. Je sais pas comment on dit. Est clairement visible et clairement évidente. Il n'y a plus moyen pour moi de remonter en points. Donc on se retrouve de suite pour le débrief de la partie. Et on se retrouve pour la fin de ce rapport de bataille et le débrief final. Déjà, merci à toi, Amif, d'être revenu. On s'est bien marré, ouais, carrément. Ouais, c'est sympa. Cette game, dis-nous tout. Match-up à la base assez compliqué. C'est un match-up qui fait assez peur, le GK, surtout sur des tables très chargées. J'avais vraiment un cas de conscience entre choisir entre old school et grande contrôle, donc à savoir entre faire donc ces deux objectifs secondaires là. Ce qui fait que lors de ton placement, j'avais peur de pas avoir quelque chose que je puisse tuer au premier round pour faire le premier sang. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui me faisait peur et en fait voilà, j'avais très peur que tu te retrouves avec des paladins intuables et des GK intuables tout cachés et sans ligne de vue, etc. Ce qui m'a un peu sauvé la vie, c'est, je pense, une erreur tactique que tu as faite, c'est-à-dire que tu n'as pas mis deux personnes avec le gate. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pu te mettre dans le vent les tirs des paladins sur les avions. Mm-hmm. Ce qui fait que j'ai pu faire mon stratagème deux fois. Ce qui est fort. Donc ouais. C'était un gros retournement au début de game, parce que du coup, je marque quand même pas mal de points au premier tour. Je sais plus combien je marque, mais c'était quand même pas mal. Genre 5 ou 6 points. T'en mets 5. T'en mets 5, ouais. Ouais, ça marche. Et c'est ça, ouais, 5 points. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'est le premier gros changement de situation. Premier gros tournant dans la partie. Et le deuxième tournant, c'est pour moi, quand tu te focalises du coup sur le fait d'essayer de plataner mes avions. Ouais. Du coup, t'as des unités qui, à mon sens, sont sur table et qui servent pas à grand chose. Où tu aurais pu être en tête des ombres avec des moins 1 pour toucher, comme moi j'utilise quand même pas mal de Tesla, ça change tout, parce que ça passe de 8 tirs font 8 touches à 8 tirs font 4 touches. Et il y a un gros pâté ici, que je peux cibler, et que je peux tirer dessus, et que je peux te tuer. Quoi. Donc ça, pour moi, c'était un peu les deux erreurs de la game qui, du coup, ont été un peu sanctionnées immédiatement.
Je sais pas quoi dire de plus. Voilà, c'est... Bon, de façon très générale, pour simplifier le débrief de Vif, j'ai été mauvais et je me suis fait sanctionner. Non, clairement, moi sur la partie, c'est pareil, c'est un match-up qui est pas évident parce que l'armée Necron face à moi, elle fait mal du fait qu'il y ait des keyword fly partout, donc c'est ingrabable. Du fait que tu as de la mobilité, tu as des gros châssis qui ont une super emprise sur la table, donc du coup, se planquer malgré une table chargée, parfois c'est difficile parce qu'il suffit juste d'avoir un petit bout de châssis qui dépasse et terminé. Donc ça, c'est une première difficulté face à ton armée. Et l'autre difficulté, c'est comment gérer ces avions et ce 3D3 mortal en bulle au premier tour. Et du coup, ça m'oblige à mettre un minimum d'unités au tour 1. Et effectivement, en me disant je vais minimiser mes poses sur le tour 1, je mets pas de gates et je fais pas attention quand je pose. Et en fait, comme j'ai mis mes gates, le seul personnage qui a la gate, c'est Voldus. Et en fait, j'aurais pu mettre Voldus sur table et je l'ai pas mis. Donc ça, effectivement, c'est une première erreur. Et ce qui te permet de fuir avec tes avions, de sniper, de mettre ton premier sang, d'enlever des terminators, etc., etc. Et puis, moi, c'est vraiment, je pense vraiment cette grossière erreur de jeu de choisir de dépolariser une partie de mes strikes avec mon seigneur de guerre sur le flanc. C'est pour moi un mauvais choix de jeu et effectivement c'est payé, ça n'a servi absolument à rien. J'ai mis de moi-même, en fait, je me suis auto-soustrait 400 points d'armée, 450 points d'armée qui m'ont servi absolument à rien. Et ça, c'est vraiment dommageable sur moi sur la partie parce que je fais un tour 2 qui est très très médiocre. Et du coup, ça te permet de bien prendre l'avance. Et moi, ça me bloque complètement la partie pour la suite. Donc, pas avantagé dans tes zones de déploiement. Ouais. Alors, le déploiement avec les petites bandes de 6 m'empêchait en fait d'optimiser ma pose sur la table et de mettre du monde sur la table pour me planquer. Et ça m'a vraiment embêté. J'aurais clairement préféré avoir un bon vieux marteau et enclume ou une bonne vieille hope de guerre des familles où j'aurais mis plus d'unités sur table et je me serais vraiment caché. Là, j'ai pas pu le faire. Voilà. Après, il y a eu des réussites, des échecs sur certaines choses. À partir du tour 4, c'est la dégringolade complète. Là, j'ai plus grand chose à faire. Donc voilà. Ceci étant, c'était cool. Clairement, on voit la différence entre toi qui, pendant cette période de confinement, t'as joué sur Tabletop Tournament, donc t'as continué à jouer, t'as continué à voir les mécanismes de jeu, etc. Moi, clairement, j'ai peu joué, donc quand on se retrouve face à des builds, parce que là, c'est vraiment un build compétitif que t'as ramené, c'est vraiment une liste qui est compétitive, donc face à une liste compétitive et un joueur qui a le réflexe compétitif, etc., l'erreur est vite sanctionnée. C'est une liste que t'as beaucoup joué aussi. Ouais. Ouais, parce que j'ai fait des parties, j'ai fait des tournois sur Tabletop Simulator en Tyrannide, ça s'est mal passé, donc ouais. Tu vois, c'est aussi une question de connaître son armée et de l'avoir joué beaucoup. Quoi. Donc là, moi, pour ma part, vraiment manque d'expérience sur le GK. Il faut que je les rejoue absolument pour avoir un meilleur gameplay et faire des meilleurs choix de jeu de manière générale. Ça fait la quatrième, cinquième fois que j'ai joué le GK. Je suis toujours confronté au fait que je ne sais pas comment jouer mes strikes. J'ai énormément de mal à jouer mes strikes. C'est une armée en finesse. C'est une armée qui est extrêmement complexe à gérer et qui demande beaucoup de capacité de compréhension de ce que va faire l'adversaire, beaucoup de projection qui demande de la réflexion sur plusieurs tours. C'est une armée qui est extrêmement difficile à jouer, les GK. En tout cas, si ce rapport de bataille vous a plu, vous savez quoi faire. Il faut mettre le petit pouce bleu des familles. N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire. Déjà, ça fait plaisir. Ça nourrit l'algorithme YouTube. Ce qui est important. Ce qui est important, ne l'oublions pas. Je vous rappelle aussi que vous avez dans la description de la vidéo tous les liens. Vous avez un lien avec un code promo pour acheter vos figurines chez MaxiRev. Vous avez un lien avec un code promo pour aller sur MyScenary pour vos décors, vos accessoires de jeu. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller chez Crank Wargame, acheter vos tapis de jeu. Ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Vous avez tout dans la description. On se retrouve, quoi qu'il arrive, très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Salut.